Par une photo du public que je vais tweeter en même temps. Vas-y, allez-y, bougez. Vas-y, vas-y. Donc, je veux savoir si tout ce que tu racontais dans ton One Man Show, c'était vrai. Oui. D'accord. Tout. De mes parents à comment j'étais petit, à ma première fois avec une fille. Ouais. Bah, pour finir. Mais là, je crois qu'on a un point commun entre tous les mecs, c'est-à-dire que c'est jamais été exceptionnel. Ah, j'ai... mais qui a dit ça? J'ai pas dit que ça a été pensé que ça peut être exceptionnel. C'est toi qui disais que ça n'a pas duré très longtemps. Bah, ça peut ne pas durer très longtemps et être exceptionnel. D'accord, je retire alors. C'était pas le cas, mais ça aurait pu. Mais en tout cas, ouais, tout ce qu'il y a dedans, y compris des trucs un peu moins drôles, parce que comme je parle de plein de choses qui me sont arrivées, des fois dans la vie, il y a des trucs un peu moins drôles qui arrivent. Tout ce qui est dedans, j'en parle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Alors, le spectacle, c'est Picard Forever, tout à l'heure 20h30 au PMC. Alors, on va faire aussi une petite interview Alsacien Forever avec des vrais faux. C'est vrai, c'est faux. La ville la plus sèche de France, mais plus le moins, est en Alsace. Alors, j'ai vu qu'il y avait un microclimat à Colmar. C'est vrai. Mais à cause d'un plateau qui est c'est ça. C'est ça, bon, bravo. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, exactement. Vas-y, balance. Le sculpteur de la statue de la liberté, pas Alsacien. Oui. Ah oui, c'est vrai, le récepteur de Strasbourg est tout à fait capable de battre le Real de Madrid. Oui, s'il paye. C'est exactement ça. Madonna a eu, il y a quelques années, une maison à Marienthal au-dessus de Strasbourg. Je dirais non, mais des fois, elle est dans des endroits bizarres, donc elle aurait pu choisir...